Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Allah halal family. Welcome to the channel. I hope you guys are having yourself a wonderful day. In today's video, guys, we'll be reacting to the best of Kali Week 2020. This video was suggested by C. Jamaren. Thank you very much, Chair Markasi, for taking the time to send me your recommendation and suggestion. The video is by Kane Kalawit, and the link is in the description below in case you guys wanted to check it out. So inshallah, we'll get started with the video momentarily, and at the end of the video, I'll be sharing with you my observation and reaction. So please make sure you stay until the end. With that said, now let's get started with our video. Bonjour à tous, alors vous avez vu ce petit best-of des meilleurs moments de 2020. Évidemment, une année très spéciale, mais pas si mauvaise pour Kalawit, et cela grâce à vous. Alors dans un premier temps, c'est tous ces animaux que vous avez pu voir dans cette vidéo, les animaux qu'on a pu relâcher, de nombreux chats léopards, des civettes, des serpents, mais aussi des crocodiles. Mais malheureusement, on n'a pas pu sauver beaucoup de gibbons parce qu'on a dû arrêter les sauvetages de primates en mars 2020 à cause du Covid. On s'est focalisé sur les animaux déjà présents à Kalawit et on a préféré refuser tout nouveau primate pour éviter que le corona s'invite dans notre centre. Donc on espère très vite pouvoir recommencer évidemment à recevoir des gibbons. On se prépare, on construit de nouvelles infrastructures pour être prêt à recevoir une trentaine de gibbons dans les 6 premiers mois de 2021, si la situation le permet.
2020, c'est aussi trois nouveaux pilotes qui ont été formés pour renforcer les patrouilles aériennes à Calaouette en paramoteur. Donc deux paramoteurs, quatre pilotes avec moi aujourd'hui. Donc on est à même de faire des patrouilles beaucoup plus fréquemment pour protéger nos réserves du ciel, détecter d'éventuels bûcherons ou des chercheurs d'or qui s'inviteraient dans nos réserves. Et en 2020, ça a été évidemment aussi le retour du tigre dans notre réserve de Sumatra. Et on sait aujourd'hui qu'il y en a au moins deux, un mâle et une femelle. C'est juste exceptionnel. Et voilà, on s'attend, qui sait, peut-être à un jour avoir des petits tigrons sur l'une de nos caméras trappes. 2020, ça a aussi été de nombreuses journées et nuits passées dans la réserve de Doulane pour identifier les orang-outans, suivre et comprendre leurs mouvements pour adapter notre stratégie d'achat des terrains pour agrandir la réserve là-bas. On est aujourd'hui à même d'identifier plusieurs grands mâles avec les grands disques faciaux. Il y a Mr. Kotak, Bon Jovi, The Rock récemment, Maurice et Mr. Waro. Donc cinq grands mâles avec des disques faciaux qu'on arrive maintenant à identifier et à suivre. Ce qui nous aide vraiment beaucoup pour comprendre en fait comment les animaux utilisent la forêt de Doulane. Certains y passent, certains y restent. Donc voilà, des informations très très importantes. Et évidemment, grâce à vous, 2020, ça a été énormément de forêts sécurisées. Aujourd'hui, Calaouette protège plus de 1300 hectares de forêt sur l'ensemble de ces projets. La réserve Pararawen, la réserve Doulane, la réserve de Supayan à Sumatra, dont 600 hectares simplement pour la réserve Doulane. Donc, je vous l'avais présenté au début du projet, la réserve Doulane, le cœur de la forêt de Doulane, c'est 1500 hectares. Donc, petit à petit, on arrive à quasiment la moitié de la forêt sécurisée par Calaouette. Et les zones qu'on a déjà sécurisées, c'est vraiment les zones importantes pour les animaux. Donc voilà, le projet se présente bien. Il y a toujours une situation d'urgence, vous le savez. Il y a même eu déjà des parcelles qui ont été coupées, des parcelles que Calaouette n'avait pas encore achetées. Donc voilà, l'urgence est toujours là, évidemment. Mais petit à petit, on arrive à faire la différence et à sécuriser tous ces animaux. Donc je vous invite évidemment à continuer de soutenir Calaouette et surtout à diffuser le message autour de vous. Faire de la conservation active. Fini les blablas, et ce qu'il faut, c'est des gens sur le terrain qui protègent concrètement la forêt avec les populations locales, et c'est ce que Calaouette fait. Alors petit rappel, hein, quand on sécurise la forêt et qu'on achète des terrains, les populations locales continuent à avoir leurs activités traditionnelles dans cette forêt. On ne leur interdit pas du tout de rentrer dans la forêt, on interdit simplement la chasse et le bûcheronnage. Mais s'ils veulent par exemple collecter le rotin ou la sève d'EVA, c'est tout à fait possible. Vous l'avez vu aussi dans l'une de mes récentes vidéos, on met en place une stratégie pour lutter contre les incendies et se préparer pour le prochain El Niño qui arrivera certainement aux environs de 2023. Un El Niño de grande envergure, qui provoque toujours de très grands incendies à Bornéo. Alors nos zones ne sont pas vraiment concernées parce que c'est souvent les zones de tourbières qui brûlent, mais quand même, donc on met en place comme ça des citernes le long de la piste qui fait la frontière sud de la réserve Doulane pour être prêt en cas de départ de feu. C'est extrêmement important. Pour la réserve Doulane aujourd'hui, on a 6 gardes qui travaillent à plein temps et les chevaux viennent juste d'arriver pour commencer les patrouilles équestres. On a plusieurs postes de garde qui ont été construits aussi, ce qui permet à l'équipe de surveiller les accès de la réserve, même la nuit, pour s'assurer par exemple qu'il n'y a pas de braconniers. La principale menace, comme à Sumatra, c'est les gens, les chasseurs qui viennent chasser les oiseaux à la glu. Vous avez aussi malheureusement ça en France. Donc voilà, gérer les accès de la réserve pour éviter que ces gens s'invitent dans notre forêt. Alors un grand merci pour votre soutien dans ces temps difficiles. Calaouette s'en est plutôt bien tiré en 2020. On croise les doigts pour que ça continue. Ça tient au fait que Calaouette ne dépend pas de volontaires depuis 2012 et qu'on ne reçoit pas de visiteurs. Donc ces deux secteurs d'activité qui ont été fortement touchés avec la crise du Covid-19, eh bien, n'a pas eu d'incidence en fait sur Calaouette, puisque évidemment depuis 2012 on ne reçoit pas de volontaires. Et le port du masque était aussi quelque chose qu'on pratiquait à Calaouette depuis le tout début de Calaouette, les singes étant très sensibles à toutes les maladies humaines, pas simplement au corona. Donc un grand merci pour votre générosité, votre soutien sur le terrain. À part le fait qu'on n'a pas pu faire de nouveaux sauvetages, sur le terrain, les activités ont continué à grandir, comme vous l'avez vu pour les différentes réserves, avec plus de forêts protégées. Concrètement, pas de grandes menaces dans nos réserves. On arrive à faire une protection active, concrète et réelle, quoi.
Donc pour 2021, évidemment, la priorité reste la réserve d'Oulan. On arrive quasiment à la moitié du cœur de la forêt d'Oulan protégée. Il faut continuer. L'urgence est toujours là. La situation devient de plus en plus confortable, puisqu'on a déjà quand même pas mal d'hectares sauvés. Mais les orang-outans continuent évidemment de se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur des zones sécurisées par Kalaouet, d'où l'importance de sécuriser un maximum de forêts pour protéger un maximum d'individus tout au long de l'année, puisqu'il y a des moments de l'année où il y a peu de fruits dans les zones sécurisées par Kalaouet, donc les animaux en sortent. Donc c'est pour ça qu'il faut arriver à sécuriser un maximum de forêts, un maximum de végétation, des zones différentes les unes des autres, que les animaux exploitent à différents moments de l'année. Encore une fois, un grand, grand merci pour votre soutien. On ne lâche rien, on continue à faire de la conservation active et on arrête les grands discours. C'est ce dont les animaux et la forêt ont besoin, des gens concrètement qui se battent sur le terrain pour protéger les arbres et pour que les animaux puissent continuer à profiter de leur liberté. J'espère pouvoir très vite recommencer à recueillir des gibbons victimes des trafics dans nos centres. On croise les doigts pour que la situation le permette très vite pour venir en aide à ces animaux. Et puis encore une fois, je vous remercie pour votre soutien. Ça me touche énormément. Je me suis fait beaucoup de soucis en 2020, mais vous avez été là. Merci pour vous, pour votre fidélité, votre générosité. Et puis on continue, on va sauver encore plus de forêts en 2021, j'en suis certain. On va sauver encore plus d'animaux et surtout on va en relâcher encore plus. Encore une fois, un grand, 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 grand merci et je vous souhaite une excellente année 2021. Au revoir. Mashallah, guys, that's really awesome. It made me a little bit emotional at the same time, happy to see that somebody like him does exist. For example, that that cares about the environment as well as the animals, which is really, really nice to see. Because I have the vision to be able to do something like this, inshallah, if I have the chance in my country back home in Afghanistan, where we can protect the environment and help to bring more animals, so that way the city turns cleaner, we have more vegetation, we have more animals that live in their own environment. And here it's beautiful, the work that they're doing. They're helping the animals, they're protecting the environment, making sure that people are not crossing into areas that are protected. So my request from you guys is, if you're able to support them in any way, shape or form possible, please do so. If you're in the area, you can volunteer here with them, go ahead, please do. If you can subscribe to their channel, please go ahead. And if you can just like their posts so they can get more exposure, do that as well. And if you're unable to do any of these, then make dua for them, so may Allah subhanahu wa ta'ala make it easier for them so they can protect more environment and more animals, not only in Indonesia, hopefully throughout the world. So that's really, really beautiful. I enjoyed this quite a bit, guys. Thank you very much for suggesting this video. I hope you guys liked it too. If you did, please don't forget to like, comment, share and subscribe. And if you'd like me to check out another video, you can send me your suggestion and put in the comment section below. As always, Terima kasih. Thank you very much. Shukran. Merci for all your love and support, guys. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family. Inshallah, I'll see you guys in the next video. Take care. Wassalam.